en famille, on dirait que c'est la joie. Et parce qu'il va partir d'ici pour aller se faire soigner à l'étranger. Et nous voulons remercier tous ceux qui ont déjà fait quelque chose pour qu'il puisse partir d'ici, notamment les ambassadeurs d'Amérique, de la France, et les gens de l'Union africaine, et tous ces gens qui nous ont soutenus dans ces moments que nous étions ici à l'hôpital, sans oublier les médecins qui ont intervenu en premier lieu, aussi les policiers qui nous ont aidés pour la sécurité de notre père, le temps qu'il a passé ici.